je le dis jamais mais c'est important amis youtube spectateurs et youtube spectatrices euh, on le dira pas tout le temps parce que c'est trop long déjà que les vidéos sont longues alors aujourd'hui une vidéo intéressante une vidéo que j'avais pas prévue tout de suite mais je vais vous en parler quand même aujourd'hui on va parler de d'argent de fric de pognon de pèse de thunes de pépette de moyens alors euh, je vous avais déjà expliqué euh, mon, mon désir de changer de mode de vie, qui n'était pas forcément un désir pour des raisons financières uniquement, mais c'est aussi pour ça, euh, de vivre dans un van aménagé avec euh, le confort, le chauffage, l'eau, euh, euh, l'isolation qui va avec, l'électricité évidemment, euh, pour avoir le moins possible de frais euh, que peut représenter un logement, une habitation, euh, un appartement, euh, une maison, c'est-à-dire le loyer qui est de plus en plus cher et euh, les factures qui euh, n'arrêtent pas d'augmenter et dont un SMIC ne peut pas. Euh, euh, on ne peut pas arriver au bout aujourd'hui avec un SMIC, avec un loyer euh, qui prend euh, la moitié du, euh, euh, du budget, même s'il y a les allocations euh, logement, quand on les a, parce que tout le monde ne les a pas. Des fois, à quelques euros près, et eh bah ben, c'est loupé. On n'y a pas le droit, euh, et c'est bien compliqué. Ma situation euh, euh, auto-entrepreneur micro-entreprise et euh, euh, touchant le RSA, c'est euh, c'est une situation qui, pour l'instant, tant que ma micro-entreprise euh, n'est pas encore ce qu'on pourrait dire viable et ne me permet pas de me euh, faire une une entrée d'argent suffisante euh, je n'ai que euh, un peu plus que le rsa mais j'arrive pas au smic ceci dit je devrais avoir un peu plus que le rsa parce que euh, là je n'ai même pas le rsa c'est à dire que depuis le mois de novembre j'ai euh, zéro rien du tout les fêtes ça a été avec zéro et depuis heureusement j'ai quand même euh, là j'ai fini j'ai plus mais j'avais un petit peu d'argent de côté euh, que j'ai utilisé mais euh, vraiment très peu je vous l'avais dit dans une précédente vidéo euh, et euh, je suis pas tout seul donc je peux me nourrir euh, me laver euh, et être au chaud est ce qu'on en est à parler comme ça aujourd'hui euh, pourquoi euh, pour des problèmes administratifs mon rsa est bloqué euh, depuis le mois de novembre et je ne peux pas faire déjà mon entreprise c'est du nettoyage en extérieur donc l'hiver c'est beaucoup plus calme et étant donné que je ne peux pas me déplacer que je ne peux pas je peux pas payer des transports je ne peux pas aller dans d'autres villes du département faire les démarches on va dire publicitaires pour mon activité euh, et ben mon entreprise me fait pas gagner grand chose et quand je gagne quelque chose euh, hélas euh, j'avais j'étais déjà en découvert avant euh, la, la banque avale tous les euh, tous les revenus euh, que je peux mettre puisque c'est des revenus à coût de 50 euros euh, euh, par client 20 euros 50 euros 100 euros euh, voilà ça engendre des frais euh, c'est un cercle vicieux je suis en train de, de, de vivre un cercle vicieux donc je fais depuis euh, depuis longtemps d'ailleurs euh, des démarches administratives qui visent à débloquer ma situation euh, parce que j'aimerais bien euh, que mon entreprise évolue euh, que euh, le rsa ne soit qu'un qu souvenir alors il y en a qui vont dire oui le rsa euh, c'est des profiteurs bah le RSA est quand même quelque chose d'intéressant pour eux. Peut-être un certain nombre de fainéants, de, si on veut. Ceci dit, le RSA, c'est moins de 500 euros par mois, il faut le savoir. Et euh, euh, tous les frais de santé euh, euh, remboursés, euh, oui, il y, y a des frais de santé remboursés, effectivement, mais le fait que tout est remboursé, qu'à la limite, on peut aller euh, chez le médecin pour euh, euh, pour n'importe quoi, le dentiste, le, le tout est gratuit c'est une légende urbaine il euh, y a des choses qui sont gratuites évidemment ça c'est euh, pour les lunettes par exemple ça a bien progressé euh, j'en ai deux paires bon je, je les ai eues avant euh, avant de dans une autre vie elles ont deux, deux ans maintenant un euh, vont encore J'ai pas les changer euh, euh, voilà par contre je dois me refaire les chicots je dois me refaire faire des euh, des, euh, des couronnes et tout ça et là je sais pas du tout avec la CMU comment ça va être remboursé mais il faut que je le fasse euh, incessamment sous peu parce que euh, voilà c'est euh, faut entretenir tout ça et euh, c'est quelque chose d'important mais j'aurais pas euh, j'en aurai une partie de ma poche et peut-être une grosse partie donc il euh, y a quand même des légendes urbaines qui sont euh, euh, qui sont euh, à la mode grâce euh, à des publications des fake news Facebook euh, voilà mais en, encore une fois quand on est au RSA on a le droit à un certain nombre de choses sauf que le problème c'est que les gens qui euh, ont la cave qui sont au RSA euh, qui doivent passer par le pôle emploi, il y a toujours quelque chose qui fait que euh, à un moment donné dans l'année, une fois, deux fois, trois fois, ça va être en retard, ça va être bloqué. Euh, euh, ils vont trouver que une une démarche euh, aurait dû être faite avant qu'on nous prévienne de, de qu'il faut la faire. Euh, et euh, il y a souvent des trucs qui bloquent et c'est comme ça que les gens se foutent dans la merde. Euh, parce que pendant ce temps-là, moi, je réussis à faire patienter la banque parce que là, c'est tout une histoire euh, euh, avec la banque, la CAF, euh, le pôle emploi. Le pôle emploi, je vous l'avais dit que c'était je vous avais dit que c'était une sale boîte dans une autre vidéo. Euh, je vous le confirme, c'est vraiment une sale boîte. Euh, parce que je suis allé, euh, j'avais un rendez-vous obligatoire euh, avec un conseiller, alors que j'ai un conseiller d'une autre structure qui fait le travail euh, et en plus le jour d'un rendez-vous téléphonique. Hein, ils reçoivent même plus maintenant, c'est par téléphonique pour faire le point sur ma recherche d'emploi sachant que je suis auto-entrepreneur bon bref euh, et que normalement j'ai un emploi mais qu'il est bloqué euh, parce que je dois avoir un euh, je dois avoir un, un véhicule si je vous avais parlé d'une euh, d'une boîte d'intérim associative euh, de service aux gens pour aller euh, faire différents boulots euh, qui donne une certaine autonomie une certaine liberté et je me suis suis inscrit dedans je suis euh, employé de la structure sauf que j'ai pas le droit tant que je n'ai pas le véhicule d'aller euh, travailler. C'est compliqué. Hein Et euh, comme euh, le véhicule, euh, il m'est réservé, j'ai eu le papier, je vous avais parlé, enfin bon, c'est compliqué, que le, que le Pôle emploi, déjà, dans un premier temps, avait bloqué ça, euh, qu'avec l'assistante sociale, on a réussi à faire débloquer euh, la situation, mais que le véhicule, qui est un scooter, parce que je n'ai pas le permis de conduire, ça, j'en parle, je, je vous dirai, un petit peu les projets par rapport à ça parce que pour la vanne là il faut il faut le permis de conduire mais euh, comme euh, la structure qui est qui est la boîte d'intérim associative exige qu'on soit mobile pour donner euh, euh, des clients on va dire pour pouvoir aller chez des clients il euh, y a quand même un petit prix à payer et ça c'est normal et euh, franchement ce serait euh, bête et méchant de se plaindre pour ça on ne peut pas avoir tout gratuit non plus mais euh, c'est un petit scooter il y a une, euh, une caution de 60 euros c'est à dire rien du tout et ça me coûte 30 euros par mois on ne va quand même pas se plaindre du prix euh, mais tant que je n'ai pas la possibilité de payer ces 90 10 euros eh bien, je ne peux pas avoir le scooter. Et tant que je ne peux pas avoir le scooter, je ne peux pas avoir les heures de travail. Donc ma situation en est là euh, aujourd'hui. Alors euh, depuis le début d'hiver, euh, euh, j'ai euh, trois assistantes sociales dans des bureaux différents, moi-même, euh, qui essayons de débloquer ma situation. Euh, je vous avais expliqué un petit peu ma situation. Donc on en est là aujourd'hui. J'ai pas du tout envie en plus il fait froid. là vous me voyez faire une petite vidéo intérieure mais je suis honnête avec mes abonnés surtout que pour l'instant vous n'êtes pas très nombreux et j'avais vraiment dit que ma chaîne c'était vraiment de partir à zéro et quand on repart de zéro pour construire quelque chose, il y a des embûches. Et bah euh, là c'est une embûche que je suis en train de vivre euh, depuis euh, euh, des mois maintenant. Euh, je peux vous dire que euh, le moral est à zéro. Évidemment, même si je fais mine de d'aller de, euh, de, bien dans mes vidéos, mais j'ai toujours ça dans la tête et euh, je suis bloqué pour tout. Je peux plus, je peux plus rien faire. C'est, euh, je me suis fait dépanner pour ça, pour les. Euh, euh, pour les liquides de cigarettes électroniques, euh, j'en ai un petit peu en réserve. Euh, mais voilà, je suis toujours dans la lutte de savoir quand est-ce que je vais avoir mon rattrapage de RSA, quand est-ce que je vais pouvoir me déplacer pour euh, faire la pub, faire les démarches dans les mairies pour mon entreprise, pour faire connaître mon entreprise euh, qui là euh, fait euh, 20 euros par mois de chiffre d'affaires, euh, plus les mois où il y a un peu plus de travail c'est qu'on va dire à peu près 50 euros par mois de chiffre d'affaires euh, si on fait une moyenne euh, voilà je suis bloqué je suis totalement bloqué pour ça alors pourquoi cette vidéo c'est pour vous parler un petit peu de euh, du budget euh, en vine life, en, en vie alternative, euh, comment je vois les choses. Euh, quand ma situation Déjà quand cette situation-là est débloquée, que je vais enfin recevoir le RSA euh, avec les mois de retard, plus la prime pour Noël, parce qu'on me doit la prime de Noël, qui est de 152 euros. Euh, euh, déjà je vais respirer un petit peu euh, parce que là je suis à 0 0 euh, euh, et euh, je fais patienter d'ailleurs euh, au moment où je fais la vidéo là où je tourne la vidéo je viens de me faire couper la 4G parce que je ne peux pas utiliser ma carte évidemment pour euh, payer mon téléphone je vais essayer de me faire dépanner euh, encore une fois pour ça mais euh, voilà ça ira pas normalement jusqu'à ce que je perde le numéro mais enfin voilà tout ça ce sont des trucs qui sont qu'on vit tous les jours qui sont désagréables donc je voudrais juste demander aux gens euh, qui sont dans des situations un petit peu correct, enfin, être dans une situation correcte, on va dire, c'est difficile aujourd'hui. Mais euh, qui ne sont pas dans cette situation, méfiez-vous avant de mettre, par exemple, sur euh, euh, Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, euh, oui, quand on est au RSA, c'est la belle vie, euh, oui, quand on est au RSA, ceci, cela, c'est complètement faux, c'est un enfer d'être au RSA, et je peux vous le dire. Alors, il y en a qui ont... Euh, la chance euh, d'avoir d'autres avantages en étant RSA qui travaillent au noir ou euh, euh, voilà ça veut pas dire que tout le monde est dans ma situation quand euh, euh, quand on est au RSA mais il y en a quand même beaucoup et il y a des gens qui ne peuvent pas travailler alors c'est pas mon cas hein, mais il y a des gens qui peuvent vraiment pas travailler il y a oui effectivement il y a des gens euh, qui euh, dilapident euh, le RSA en s'achetant des beaux écrans des beaux téléphones euh, qui euh, voilà, ils utilisent tout le pognon du RSA, puis qu'après, une fois qu'ils se sont achetés, commandés chez Amazon, maintes et de trucs, se disent mon Dieu, j'ai plus rien pour manger, il faut que je me plaigne. Oui, ça je reconnais que ça existe et il y en a plus qu'on le pense. Euh, mais il n'y a pas que ça. Donc attention euh, euh, au jugement qu'on peut porter à des gens qui sont au SMIC, au, au RSA, euh, qui touchent des aides. Euh, souvent sont des gens qui ont travaillé avant et qui ont euh, eu des salaires de misère donc euh, ils doivent bien on leur doit bien aussi euh, on leur doit bien ça parce que j'ai calculé euh, parce que quand j'étais euh, embauché dans l'association dont je vous ai parlé euh, dans l'ancienne vidéo c'est moi qui faisais mes bulletins de salaire c'est pas moi qui me payais mais je calculais mes bulletins de salaire euh, calcul fait euh, le matin je travaillais 4 heures en, en journée normale. Hein. Le reste c'était du bénévolat. Quand je faisais beaucoup plus c'était du bénévolat. Mais euh, sur la base du paiement, le matin je travaillais 4 heures, c'était pour moi. Là pour le coup c'était pour moi. Et l'après-midi je, je travaillais 3 heures. J'étais payé comme ça. Je travaillais bien plus en réalité mais après j'étais pas payé. Bon, euh, les trois heures de l'après-midi... Euh, c'était pas pour moi hein. c'était euh, euh, tous les euh, charges sociales euh, tout ça c'est euh, euh, voilà donc il y a presque la moitié du temps euh, qui était euh, travaillé euh, qui, qui revenait pas dans ma poche alors Évidemment, il y avait l'assurance chômage, chômage auquel j'ai pas eu le droit. Bon, ben ça c'est encore un autre un autre souci. Il y avait euh, la retraite auquel on n'aura peut-être pas le droit quand moi je serai à la retraite. On n'en sait rien. Ce sera peut-être le minimum euh, le minimum vieillesse pour tous. Il euh, faudra voir la gueule du, du du minimum vieillesse. Bon, euh, passons. Euh, accident du travail, tout ça. Euh, voilà. Mais euh,

Le matin, je travaillais pour moi, l'après-midi, je travaillais pour ne, pas, pour ne pas être payé quelque part. Euh, donc, quand on a fait ça pendant des années, euh, une, deux, trois années de RSA, c'est euh, franchement pas volé. Hein. À moins de 500 euros par mois, plus peut-être ceux qui ont un loyer à payer, euh, euh, voilà, il y en a qui euh, ont 400 euros de loyer à payer, qui 200 euros d'APL, euh, ou 250 euros d'APL, euh, voilà. Voilà, vous, vous faites le calcul, euh, c'est quand même pas énorme. Donc, euh, puis bon, moi j'ai pas envie de rester de RSA, j'aime bien aussi euh, euh, le travail, mais surtout le contact qu'on a grâce au travail, les contacts qu'on peut avoir grâce au travail. Euh, voilà. Donc euh, le budget pour, euh, pour euh, ma vie future, enfin celle que j'espère, parce que peut-être que je pourrais pas le faire, parce qu'il faut que je me démerde pour pouvoir passer le permis de conduire, pour acheter un véhicule. Euh, voilà, je vous avais expliqué au fur et à mesure des vidéos euh, un petit peu ma, ma situation. Euh, donc je compte sur ma micro-entreprise évidemment. Est -ce que, je partirai euh, de temps en temps en Vine Life et j'aurai des moments où euh, je serai obligé de travailler pour ma micro-entreprise pour faire le plein de revenus. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, même en Vine Life, même il si, euh, y a un loyer très limité, euh, voire pas de loyer du tout, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Euh, voilà, peut-être garder le RSA euh, le temps que ma micro-entreprise ne me paye pas, euh, tant que je ne gagne pas assez d'argent pour ma, ma micro-entreprise, euh, ça c'est un fait. Euh, maintenant, le coût euh, de la vine J'ai calculé, enfin euh, j'ai pas calculé en matière de coût, mais euh, ce qu'il a d'obligatoirement payant. Donc, il n'y a plus de facture parce que l'électricité est... Euh, je dis ça, c'est quand on a tout, hein, tout le matériel, quand on a investi pour le début, donc on a acheté les panneaux de solaire, on a fini de les, de les payer, de les payer euh, la batterie, euh, le transformateur, euh, l'isolation, l'aménagement, tout ça, imaginons que c'est payé, euh, euh, voilà, le véhicule aussi. Donc, si, euh, et les lifers peuvent me dire s'ils sont d'accord avec moi, si je comprends bien euh, la vine life c'est euh, l'assurance du véhicule l'entretien du véhicule euh, les contrôles techniques bon, on va compter ça dans l'entretien du, du véhicule et le carburant euh, et puis des fois une petite nuit de camping euh, euh, à 10 euros euh, voilà euh, Combien faut-il pour arriver à ça Alors moi j'ai une question à, à poser. Euh, Est-ce qu'on peut y arriver avec 1000 euros, 1200 euros euh, correctement, euh, sans se faire de soucis en disant hey, putain, je suis un petit peu juste là pour la fin du mois, faut que je fasse attention. Je suis pas dépensier, j'ai jamais aimé l'argent. Euh, j'ai euh, moi j'aimerais pas être quelqu'un de très riche euh, voilà je quand on dit j'aime pas l'argent ça veut pas dire que quand on voit un billet on se dit oh mon dieu quelle horreur euh, cachez moi cette horreur que je ne saurais voir évidemment euh, faut pas être idiot non plus mais euh, l'argent pour vivre pour avoir quelques loisirs pour euh, voir des paysages pour euh, euh, se déplacer euh, euh, voilà je préfère ça plutôt que d'être euh, euh, coincé dans un boulot, gagner un petit peu plus, euh, mais payer un loyer qui finalement me sert euh, euh, un petit peu le week-end, enfin pour passer la plupart de mon temps au boulot, pour espérer une promotion euh, tout le temps, être carriériste euh, et avoir une vie de... C'est pas réussir sa vie ça finalement. Euh, euh, voilà, moi j'ai envie de, de pouvoir rencontrer des gens euh, librement, de pouvoir euh, aller à la montagne, de pouvoir Aller à la mer, rendre service à des gens, euh, d'oser mon temps de travail, parce qu'il n'est pas question encore une fois de ne pas travailler, euh, d'oser mon temps de travail, euh, me dire bon, bah là, avec 500 euros, je ne demande pas plus, 500 euros pour, euh, pour 10 jours, là, je m'en vais, euh, voilà, sans espérer évidemment. Euh, et me dire bah, c'est pas normal de pas avoir 3000 euros par mois évidemment on choisit un mode de vie euh, on peut pas demander le beurre et l'argent du beurre ça c'est euh, on en a tous conscience donc trouver des méthodes euh, pour ne moins dépenser parce que quand on dépense euh, dans des abonnements euh, dans de la consommation euh, jetable on va dire euh, on redonne notre pognon euh, voilà ça veut dire qu'on euh, va acheter, euh, je ne sais pas, on va s'abonner à un truc qui finalement on va payer deux fois le prix que ça devrait pouvoir. Euh, c'est une façon aussi de payer des taxes, de s'abonner à tout, euh, d'être dans, vraiment dans la société de consommation. On se fait voler de partout. Moi, euh, l'abonnement, il me reste l'abonnement du téléphone euh, et c'est tout. J'ai plus d'abonnement à Netflix, j'ai un compte, mais j'ai plus d'abonnement à Netflix. Je m'abonne, je m'abonne, je pardon, je m'abonne pas à des à des applications. Voilà, je pourrais peut-être payer un truc qui se paye à l'année, une application pour le montage, vous en avez parlé, mais tous ces frais-là, j'évite parce que avec ça, on se fait, mais on se fait baiser, mais c'est, on a de la pub partout, vous à ça, euh, c'est euh, tant d'euros par mois la première année, puis après ça coûtera dix fois le prix, mais on n'en parle pas tout de suite. Hein. Euh, voilà, faites-vous bien, euh, voilà. Euh, et puis après, on en parlera après. Vous pourrez plus pas vous dé vous désabonner, on vous, on vous aura fait croire que c'est la belle vie, on, on vous on vous embrouille sur les prix pour que, pas que vous puissiez vous euh, vous y retrouver. Alors on vous dit ah c'est gratuit, hein. c'est comme je kiffe là, comme je kiffe euh, la semaine gratuite la semaine gratuite excusez-moi s'il y a des enfants qui regardent c'est pas beau ce que je viens de faire mais euh, c'est ce qu'ils nous font hein. euh, voilà parce qu'on parle beaucoup des politiques évidemment il y a des gilets jaunes il y a tout ça mais il y a aussi euh, les, 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 les capitalistes là qui nous euh, qui essayent aussi de nous bouffer euh, euh, tout ce qu'on peut donc moi j'ai décidé de consommer le moins possible mais euh, toujours me faire plaisir alors un abonnement internet on est un petit peu obligé un abonnement euh, voilà j'ai trouvé raid et faire 20 euros par mois euh, 100 gigas euh, euh, voilà bon bah ça ça je garde parce que on veut pas non plus vivre dans une grotte euh, euh, avec euh, une feuille de vigne pour cacher euh, euh, voilà faut, faut pas exagérer mais voilà, j'ai pas envie de donner mon pognon ça, pour tout ça pour faire comprendre que je ne gaspille pas mon pognon. Je ne suis abonné à rien. Je n'achète pas euh, le dernier téléphone, dernier cri. Je n'achète pas euh, euh, des, euh, des vêtements de grandes marques, des de trucs pour paraître parce que euh, voilà tout ça. Moi, je suis pas dans ce monde-là. Ça m'intéresse pas. Euh, il me faut les vêtements qu'il me faut, évidemment. Euh, J'essaye de trouver euh, une qualité euh, correcte, mais si le vêtement doit être d'occasion, il sera d'occasion. Euh, voilà, je ne suis pas un radin, mais euh, c'est euh, le monde qui est radin avec nous. Euh, à partir du moment où on commence à toucher quelque chose, euh, tout part d'un coup et on a l'impression d'être inquiété. Donc si en plus on doit se dire, oh, ah ben il y a le dernier téléphone qui est sorti, euh, il est à 1500 euros, non, non, <laughs> non. non c'est euh, euh, voilà si un jour j'ai euh, euh, je dois revivre en maison, en appartement, euh, que j'ai une machine à laver, euh, à, à à acheter. Je préfère aller chez Emmaüs et euh, dépenser pour une bonne cause, parce qu'il y a de la réinsertion par Emmaüs, euh, euh, voilà, de ne pas avoir un truc euh, qui a une une programmation pour tomber en panne. Je préfère avoir une vieille machine à laver bien moche des années 80 quitte à la customiser, parce que elle, je suis sûr qu'elle va fonctionner euh, pendant un moment, plutôt que de dire tiens, je vais aller me faire baiser la goule, je vais acheter une machine à laver qui vaut trois fois son prix et en plus qui est programmée pour pour tomber en panne et euh, on parle d'obsolescence programmée mais c'est même pas de l'obsolescence programmée parce que c'est quelque chose qui est obsolète c'est quelque chose qui marche encore mais qui est dépassé prenons l'exemple d'un ordinateur par exemple un ordinateur il est dans l'obsolescence euh, programmée par le par le marché c'est à dire vous achetez un ordinateur euh, euh, par exemple ce coin un, un ordinateur de 2010 on va dire on va même dire 2015 aujourd'hui il est obsolète parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas mettre dessus, mais par contre, euh, je sais pas, moi il y a, y a des nouvelles prises pour les imprimantes depuis, il y a euh il y a euh, des logiciels qu'on ne peut plus mettre et qui sont indispensables pour faire fonctionner certains trucs, mais l'ordinateur lui-même fonctionne toujours. C'est-à-dire si vous avez encore votre ancienne imprimante euh, ou je sais pas, ou euh, vous voulez faire quelque chose avec votre ordinateur qu'on pouvait faire en 2015, euh, votre appareil marche toujours. Euh, donc c'est même pas de l'obsolescence programmé parce que obsolescence ça veut dire obsolète donc dépassé c'est de la panne programmée que euh, qu'on vit avec tout ce qui est euh, écran de dernier cri, euh, gadget euh, connecté tout ça c'est de la panne programmée ça veut dire que euh, c'est comme si vous achetiez un truc en bon état puis qu'il y a un technicien dit, Ah bon bah euh, vous l'achetez, euh, vous le payez son prix fort, mais dans un an, on vient chez vous et on vous bousille le truc pour que vous soyez en obligé d'en racheter un autre donc euh, ça va paraître peut-être un petit peu con mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça s'appelle du vol de l'abus de confiance donc je n'achète pas euh, de matériel dans euh, euh, comme ça alors il y a des trucs je sais pas si il y a la panne programmée pour le matériel que je veux euh, acquérir pour euh, faire mes vidéos pour euh, la vine life euh, pour le vélo et, et pour tout ça mais euh, tout ça c'est un coup de gueule pour... Alors je ne suis pas un gilet jaune, euh, je vous avais déjà expliqué pourquoi, parce que les premiers gilets jaunes, leurs revendications, je suis à 200% d'accord avec eux, mais ça a pris de l'ampleur les gilets jaunes, entre eux, on ne sait pas si c'est les vrais gilets jaunes, si c'est des casseurs euh, Le Pen qui a récupéré le truc pendant un mouvement, donc on avait des, des gilets jaunes qui avaient des propos racistes, carrément euh, le truc du beauf euh, du beauf moyen. Euh, 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 t'as mal au pied c'est de la faute des étrangers euh, ta femme est partie avec le facteur c'est aussi de la faute des étrangers euh, bon ça va hein, euh, ça va cinq minutes euh, euh, voilà et puis il y a eu euh, tous les, euh, euh, les euh, soi-disant euh, leaders là meneurs euh, euh, moi je vais te dire un truc hein, là je fais une vidéo je vais te dire un truc euh, euh, on va se mobiliser moi je vais euh, monter un, un, un collectif là et vous entendrez parler de moi parce que moi je euh, il y en avait plein de <laughs> plein les euh, euh, les réseaux sociaux et tout ça, ils étaient aussi interviewés par BFM, tout ça. Euh, moi je fais pas partie de ce monde là, euh, voilà. Euh, donc je ne suis pas je, je ne suis pas gilet jaune euh, pour ça. Par contre, les premières revendications, on ne peut pas être, on, on peut être que 100% d'accord euh, quand on vit... Euh, avec euh, des euh, moyens euh, qui sont inférieurs à deux fois le SMIC on va dire hein, euh, euh, voilà et puis la façon du gouvernement de, 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 de communiquer aussi euh, non non bah, vous pouvez dire ce que vous voulez allez vous faire un euh, hein, euh, d'accord donc ça euh, oui 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 du des gouvernements parce que là Macron s'en prend plein la goule mais euh, avant c'était euh, Sarkozy tout ça c'était la même chose hein, euh, euh, voilà lui il arrive au, dernier, au mauvais moment, il a un caractère qu'il ne faut pas, il a une façon d'être qu'il ne faut pas, euh, évidemment. Il y avait le gros nounours entre deux. Euh, on lui voulait pas trop de mal, on lui disait qu'il était méchant sur les réseaux sociaux, mais c'était tout, euh, le gros nounours, là, hein. lui qui était de gauche et puis qui finalement euh, avait une politique bien à droite quand même, euh, euh, mais en dessous, hein, sans rien dire, avec le grand sourire, euh, euh, en se réveillant de la sieste, là, il souriait, il regardait, il souriait. Euh, euh, mais voilà, mais mine de rien, on s'est fait avoir. Et euh, c'est pareil, moi, la politique, j'ai milité un petit peu, j'ai même milité pour la LCR à l'époque, euh, le nouveau parti anticapitaliste. Euh, là, moi, j'ai envie de prendre le large avec ça. Euh, j'ai même pas envie de voter pour les prochaines élections. Euh, parce que de toute façon, même si on se dit, euh, on vote pour quelqu'un, de gauche, on va dire, une fois qu'il sera élu, il fera comme tous les autres, c'est-à-dire une politique de droite. De droite dans le sens où on favorise les plus riches en profitant des plus pauvres. Alors la droite, au départ, dans le sens littéraire du terme, ne serait pas été con parce que c'était euh, on facilite la vie euh, des, euh, des employeurs. Euh, pour que eux euh, en échange facilitent la vie euh, de ceux qui les font vivre, c'est-à-dire les ouvriers. Euh, sauf que depuis bien longtemps, on, ça fait euh, je sais pas combien de temps qu'on nous dit euh, ce mensonge-là, on sait très bien que quand les grands patrons, et encore une fois j'insiste là-dessus, je parle pas des petits patrons, voire des patrons moyens, je parle des grands patrons qui se font euh, plusieurs centaines de fois le SMIC, voire plusieurs milliers de fois le SMIC. Ils ont des cadeaux. Euh, voilà, parce qu'ils sont de droite, ils ont payé des fois des campagnes électorales, enfin bon, passons les détails, ils ont du pognon, mais ça ne les empêche pas de... Euh réduire leurs frais d'embauche, euh, de virer s'il faut, voire de partir dans d'autres pays avec leurs entreprises. Euh, et en tout cas, les gens qui travaillent pour eux sont toujours dans la même misère, alors que normalement l'argent, les, euh, les cadeaux fiscaux, euh, tout, tout ce qu'on pouvait leur donner, euh, aurait dû servir à partager, entre guillemets, avec les gens qui travaillent pour eux. Ça ne s'est jamais fait, euh, Voilà, à part quelques-uns, évidemment. Il hein, y a même des gros capitalistes. Euh, qui payent bien leur, euh, leur, euh, leurs employés. Ça a été le, le cas de Kodak, par exemple. Quand Kodak a coulé, euh, il a, Kodak n'a pas laissé tomber ses employés. Il y a aussi, ça existe. Mais dans un ordre général, et les plus riches, en tout cas, euh, voilà. Alors, euh, pour en revenir euh, euh, à mes projets, euh, ça va être, euh, je voudrais parler aussi un petit peu euh, de YouTube. Euh, parce que bon là vu les vidéos que je fais évidemment et je suis très étonné d'arriver quasiment aux 100 abonnés mais euh, quand il y aura des paysages des déplacements des petites aventures des, des choses comme ça ça montera en abonnés mais là euh, même arriver aux cent abonnés aujourd'hui euh, c'est euh, j'attendais pas ça donc évidemment mais j'aurais parlé de la monétisation de la chaîne youtube euh, parce qu'il y en a qui disent, oui il fait monétiser sa chaîne YouTube. Bon déjà avec YouTube, euh, faut pas espérer être riche. Euh, on gagne pas grand chose avec YouTube à part quelques uns et encore qui euh, passent leur vie que pour YouTube pour pouvoir gagner de l'argent comme ça. Euh, ils ont plus de vie, ils ont que YouTube. Donc ça il faut choisir. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que si je dépasse les 1000 abonnés et le nombre D'ailleurs, ma chaîne YouTube, en nombre d'heures de vue, je suis assez étonné parce que euh, pour le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre d'heures de vue, euh, il est pas mal du tout. Mais. Euh... Si j'arrive à un palier euh, de quoi me faire euh, euh, monétiser, eh bien je le ferai, parce que même si dans le mois j'ai euh, 50 euros par exemple, et eh bah ben, ça contribuera à un plein d'essence euh, euh, bon voilà, ça ce sera un petit, un petit revenu qui est... Euh, euh, c'est toujours ça de prix. Et puis alors il y a des gens qui, euh, qui critiquent, oui YouTube euh, monétiser, euh, poil au pied. Bon, euh, sauf qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire, ah, les youtubeurs, ils gagnent de l'argent avec YouTube, déjà très peu d'argent, euh, et en plus, euh, pourquoi il y en a qui, beaucoup, qui euh, bonnement euh, pour euh, pour des chaînes de télévision par exemple alors qu'on sait ce qu'est la télévision aujourd'hui d'ailleurs la télévision aujourd'hui euh, ils ont bien des soucis euh, et ils ont peur un petit peu d'internet donc pour la télévision pour des euh, animateurs télé euh, euh, des euh, voilà qui gagnent déjà euh, un, un argent fou hein, c'est euh, Jean-Marc Morondini tout le monde l'aime pas mais là il y a un truc qui, est, euh, qui a été bien avec lui avant ses affaires que bon je euh, on n'a pas su euh, la suite c'est pas bien de ne pas savoir hein, parce que quand on commence à parler de quelque chose enfin bref euh, il avait dit combien il gagnait exactement il était sur européen à l'époque il avait énergie euh, euh, 12 je sais plus ce qu'il faisait exactement euh, et quand même avec ce qu'il faisait euh, les différents boulots qu'il faisait il était à 18 000 euros par mois donc euh, un youtuber qui arrive à 18, 18 000 euros par mois euh, c'est quand même euh, voilà on, donc il faut pas se plaindre donc euh... Et il y a une mode du jugement aujourd'hui. Euh, si c'est la mode de trouver que de faire monétiser ses, euh, YouTube, c'est pas bien. Alors tout le monde va. Par contre, le jour où il y aura la mode de dire ah oh, c'est bien, mais tout le monde doit faire. Félicitations, tu fais monétiser ta chaîne. Alors là, si je dis que euh, euh, je vais faire une chaîne qui est monétisée, euh, on va me suivre dans la rue pour me lécher les fesses. C'est comme ça. Euh... Voilà. Et il y a ce qu'on appelle les placements de produits. Alors là, je voudrais corriger. Je sais très bien ce que c'est qu'un placement de produits. Quand on euh, demande à un youtubeur de présenter un produit, c'est pas un placement de produit, euh, c'est une pub. Euh, parce que un placement de produits, euh, là, par exemple, je fais une vidéo qui serait plus amusante que celle-là, qui donne plus envie de la regarder, évidemment, et je mets un objet de marque dans mon... Bon, ça c'est une plante, il hein. n'y a pas de marque pour une plante, euh... et elle ne se fume pas celle-là, hein. mais je mets euh, un truc visible. Euh, dans le champ de la caméra, où je suis par exemple dans, euh, je fais un petit, euh, un petit court métrage où euh, on est à table et puis il y a des produits dont on voit la marque, mais dont je ne parle pas. Ça, c'est un placement de produit. Un placement de produit, c'est pas de dire euh, euh, j'ai reçu une cigarette électronique de marque euh, je me, Aspire, je crois. Euh, je vais vous la présenter. Je vais vous. Non, ça, c'est pas du placement de produit, c'est de la publicité pour un produit. C'est pas pareil. Alors la publicité pour un produit si un jour ma chaîne euh, euh ma chaîne démarre, euh, que j'ai euh, de l'audimat, que des gens me suivent et que j'ai suffisamment qu'il y ait une marque qui me contacte. Si c'est un produit de merde euh, pour la grande consommation, euh, voilà, je présenterai pas. Par contre, s'il y a des petits produits qui peuvent être sympas, genre d'une entreprise un petit peu écolo, euh, un produit pratique, euh, un produit qui va euh, avec mon sens de... Euh, Ma vision des choses, on va dire, avec ma politique personnelle, euh, eh bien, je le présenterai, parce que si je gagne le produit et qu'il me sert, eh ben, pourquoi pas Alors évidemment, j'en aurai pas beaucoup, et ça, c'est pas pour tout de suite. Ce sera vraiment quand euh, ma chaîne euh, aura euh, commencera à fonctionner. Il euh, y a aussi euh, un autre moyen sur YouTube, euh, c'est euh, le super chat. Alors, le super chat, ça marche bien. Et euh, c'est pareil. Il euh, y a euh, les gens qui vont dire oui, euh, euh, tel euh, YouTubeur va demander du pognon, euh, tel un mendiant. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre Si ça vous plaît pas de donner du pognon ou si vous ne pouvez pas, parce que euh, moi j'aurais bien donné une petite participation à Kangouvan pour son matériel. Euh, je peux pas, je peux pas. Je fais autre chose. Dans ce cas-là, je regarde les pubs entièrement pour parce que plus les pubs sont regardées les chaînes que, que j'aime bien, il euh, y en a quelques-unes, euh, pas seulement dans la Vine Life, mais voilà. Euh, et ben comme je ne peux pas donner, je ne pourrais pas donner à tout le monde évidemment, euh, ce que je fais, c'est que je fais l'effort de, de trouver un moment tranquille pour, où j'ai du temps pour regarder les vidéos. Et je je laisse les pubs alors je regarde pas forcément mais je les laisse tourner c'est-à-dire pendant que c'est il euh, y a deux pubs assez longues là euh, bah, je vais préparer euh, ma petite tasse de café et puis après quand j'arrive c'est la vidéo bon ben bah, voilà c'est ma façon de faire et, et ça c'est déjà pas mal mais euh, quand euh, le super chat par exemple où c'est des gens qui donnent mais ils donnent s'ils ont envie de donner euh, euh, personne n'est obligé de donner donc c'est pas la peine de s'emballer en disant oui que c'est pas bien et tout ça s'il y a une personne qui dit tiens ce que fait mathieu là euh, ça mérite un, une petite aide euh, je vais donner euh, ce mois-ci je peux lui donner euh, 50 euros il a choisi de me les donner, euh, quelqu'un qui dit euh, bah, j'ai pas grand chose, mais je vais... Moi j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son état d'esprit, euh, euh, j'ai vraiment rien, mais je lui envoie un euro. Il a choisi de le faire, c'est lui qui décide. Euh, c'est pas comme si je leur disais Vous devez me donner parce que vous avez regardé mes vidéos, donc veuillez passer à la caisse C'est bien, c'est bien différent quand même. Euh, donc il y a une mode aussi de... Euh, de gens qui aiment bien euh, euh, juger euh, voilà pareil pour euh, les tipis les euh, voilà mais ceux qui n'ont pas envie euh, personne vous oblige à donner alors pour l'instant euh, j'ai pas le projet de tout ça euh, je vais pas faire une caisse tipi je vais pas faire euh, euh, tant que ma chaîne est encore euh, à l'état d'embryonnaire embryonnaire on va dire euh, je vais pas faire tout ça mais si un jour mes vidéos vous plaisent euh, que j'ai réussi à avoir un petit peu de matériel pour faire des vidéos plus professionnelles que vous voyez autre chose que ce putain de mur derrière et puis les, les arbres de la normandie et que je vous emmène vraiment que j'ai réussi à euh, vraiment démarrer mon projet euh, peut-être que vous me verrez présenter des produits <laughs> alors je ferai pas comme certains euh, euh, ils sont là oui alors c'est un unboxing euh, alors euh, le packaging ils font tout un tas de, de rimes en là ça me non non je vous présenterai le, le produit clairement et puis euh, voilà euh, donc vous risquez de voir ça Ceci dit, euh, pas faire une une chaîne publicitaire, mais si euh, pendant un an il y a un produit, euh, euh, comme on dit, vous allez pas chier une pendule. Bon, je dis ça avec humour, ne le prenez pas mal. Euh, pareil, si un jour je fais des, euh, euh, je passerai chez le coiffeur d'ici là, parce que là, voyez ma ma tête, je peux même pas aller chez le coiffeur. Bon, enfin bon, bref, on va arrêter de se plaindre, comme on dit. Mais si je fais euh, des lives un jour d'un spot où je serai en plein soleil à la mer. Euh, après à vous avoir présenté une vidéo du lieu, que je fais des rencontres euh, et qu'on fait un live, il y aura le super chat. Si jamais quelqu'un veut euh, participer à l'essence, trouve mes vidéos intéressantes, il y aura le super chat. Et euh... Pour les, euh, les cagnottes, euh, ça j'ai pas encore d'opinion là-dessus. Euh, moi je trouve que pour les cagnottes, effectivement, il faut euh, donner un résultat. Euh, voilà, ça euh, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, je ne serai, euh, si j'ai besoin en tout cas de demander euh, aux gens qui le veulent bien, et j'insiste là-dessus, euh, quelques euros pour cette activité euh, en échange de vidéos qui vous plaisent et eh bien euh, je le ferai dans le futur alors c'est pas pour tout de suite rassurez-vous donc euh, peut-être qu'il y en a qui vont se désabonner à cause de mes opinions euh, peut-être qu'il y en a qui vont mettre des, euh, des commentaires d'encouragement mais voilà je fais cette vidéo là un petit peu entre deux pour vous dire ça et j'espère que la prochaine vidéo ce sera des bonnes nouvelles pour ma situation euh, parce que euh, voilà partir de zéro c'est bien euh, c'est bien intéressant euh, mais il faut que ça avance maintenant. Je vous remercie, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien et à la prochaine vidéo.